Comment maintenir la paix, la stabilité et le vivre ensemble en Côte d'Ivoire? Le mouvement pour la stabilité en Afrique propose le jus souli ou encore droit du sol comme solution. Selon Traoré Adams, président de ce mouvement, les autorités doivent accorder la nationalité ivoirienne à tous ceux qui naissent en Côte d'Ivoire, même si les géniteurs de ces derniers ne sont pas originaires du pays. Notre ambition, c'est d'aller au-delà de cette loi, de faire en sorte que cela puisse continuer de façon pérenne. Qu'il n'y ait pas, pour dire que non, telle année, alors ceux qui sont nés, ils doivent bénéficier, après ils sont 13 là, ces enfants qui naissent, ne pas bénéficier. Selon Traoré Adams, un plaidoyer de projet de loi pour l'acquisition de la nationalité par le droit du sol en Côte d'Ivoire est important et invite par ailleurs toutes les couches sociales à se mobiliser pour le retour de la loi 61-415 du 14 décembre 1961, portant code de la nationalité ivoirienne.